Et coucou, alors on se retrouve aujourd'hui le 30 mai 2020, 2022, pardon. On se retrouve pour un tuto carte. Je vais utiliser la découpe que j'ai utilisée pour faire le fond de la carte que je vous ai faite pour aujourd'hui, qui est sortie ce matin, donc pour cette carte-ci. Donc du coup, je vais l'utiliser pour faire ma carte. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc là ça fait 10,5 sur 21 cm. Donc il faudra couper pratiquement la même dimension. Après si vous voulez couper un peu plus grand, vous pouvez aussi. Hein. Moi j'ai laissé la même dimension pour la base principale. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette couleur-là, vous pouvez prendre une couleur plus claire, du bleu, du violet, ou même du papier blanc, hein, ça fera très bien l'affaire. Voilà, vous pouvez prendre du papier pailleté aussi, mais dans ces cas-là, il faudra le solidifier un petit peu parce que le papier pailleté, il est un peu plus fin que le papier cardstock. Donc voilà, et je vais faire dans le même thème que la carte précédente, donc toujours avec ces stickers-là. Donc ça, je le mets de côté. Donc, je vais déjà, dans un premier temps, encoller mon papier, ma base comme ça, donc ma découpe. Je profite que mon chat dort et que mon mari n'est pas là pour faire des vidéos. Surtout qu'il va me falloir une vidéo pour mercredi, une vidéo pour vendredi. J'ai déjà un début de vidéo pour ce jeudi. Mais vu comme là, je vous fais le tuto de la carte et que j'ai une autre carte à filmer. Donc du coup, je profiterai de filmer cette carte-là pour filmer la carte que je dois filmer. Comme ça, je ferai le montage. Je les rajouterai au montage. Bon, j'avoue que cette carte-là, avec cette découpe-là, c'est galère à coller. C'est pas grave. Donc, les gros paquets, je les mets là. Donc, ça, je vais le lever. Je vais le mettre ici. Je récupère mon cardstock. Alors, on va essayer de coller les stickers là où il y a un petit peu de colle au niveau de la découpe. Voilà, après, si vous voyez qu'il y a, ça a un petit peu dépassé au niveau du papier rose, au niveau de la découpe, il vous suffira juste de découper un minimum. Voilà. Donc, vous avez, une fois que vous avez collé votre découpe, ça. Après, vous pouvez très bien rajouter de la colle sur les stickers. Moi, je ne vais pas rajouter parce que ces stickers-là collent vraiment assez bien. Donc, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que je vais remettre? J'ai bien envie. Alors, du coup, la carte, j'ai bien envie de la mettre dans ce sens-là. Donc le bleu sur le haut. J'ai bien envie de mettre le nuage là. Je vais le mettre ici. Après, vous pouvez très bien les coller sur un papier épais et les mettre en die cut. C'est faisable aussi. Ensuite, j'ai bien envie
je vais mettre de cette planche-ci, je vais mettre un arc-en-ciel que je vais mettre sur le haut. Je vais mettre ici. Ici, j'ai bien envie de mettre cette licorne. Donc, du coup, l'arc-en-ciel, je l'ai mis là. J'ai bien envie de mettre la licorne ici avec l'oiseau. Je vais la mettre. Comment j'avais fait là? Alors, attendez, je voudrais m'aider. De la carte. Ok. Donc je vais la mettre là. Le sentiment. Là j'ai un love, j'ai un hello, un girl. Je vais mettre le hello. Ici, comme si la licorne disait hello. Ensuite, je vais prendre le cœur qui est ici. Je vais en mettre un là. Je vais mettre également une étoile ici. J'ai bien envie de mettre ces fleurs. Je vais les mettre ici. Et j'ai bien envie de mettre le petit diamant dans le coin et en biais. En biais ou en biseau, comme vous voulez. Et voilà. Là, je vais pas mettre de... Je vais pas mettre de ça. J'ai pas envie d'en mettre. J'ai envie de la laisser telle qu'elle. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Donc, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos création scrap du moment, etc., etc. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bye bye.